prête. Ça fait pas trop ridicule. Non, il manque juste la cornemuse, hein, c'est dommage. T'aurais pu mettre une cravate, ta belle rayure. Oh non, avec ton kilt, ça suffit, crois-moi. La petite. Oh. Mais monte, Elodie, monte. Si on parlait d'immigration. C'est papa qui a raison, il y a trop de noirs en France. Ah, voilà. Pas moi qui l'ai dit. Tu vas voir, c'est tout nouveau, c'est du stabilo-gondil. Du stabilo... Du stabilocardil. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est une sorte de bêta-bloquant comme l'autre, mais avec une action stabilisatrice de membrane plus puissante. Voilà, c'est ça. Bah, tout de suite, quand t'expliques, c'est beaucoup plus clair, hein. Petit gaucho de merde, va. Très mal, il est tombé très mal, j'avais l'intention d'arrêter. Petit con, va. Non, 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 un gros con. Je croyais que c'était pour rigoler, moi. Pourquoi, j'ai l'air de rigoler, là? C'est pas ce petit poujadiste de merde qui va me la faire, crois-moi, il a intérêt à s'accrocher, hein. Moi, quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Ça t'ennuie pas que je suis dans la voiture? Non, pas du tout. Ouvre la fenêtre. La fenêtre. Pousse la fenêtre. Un jour. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un paquet de chewing-gum à la chlorophylle, sans filtre. Sans sucre. Deux Mars, un Bounty et une boîte d'allumettes. De tic-tac. 28,60. Ciao. Salut. L'enfoiré, je suis sûr qu'il allait s'acheter des clopes. Salut. Je suis sûr qu'il allait s'acheter des clopes, enfoiré. Je vois. Deux jours. Alors. Vous allez bien, Madeleine? Oh, excusez-moi. C'est d'arrêter de fumer qui te met dans cet état-là? Oui, c'est parce que j'ai arrêté de fumer, oui. Excusez-moi. Oui, bah écoute, il existe des trucs très bien pour arrêter. Oh, attends, je suis peut-être pas médecin comme toi, mais je suis pas con pour autant. Hein. Bon, quoi, c'est un peu gonflé là? Bon, bah une autre balle ici, ça fera hamster, ça sera très joli. Et ton âme pécheresse se consume aujourd'hui encore dans le brasier des flammes de l'enfer. Car tu as péché, Didier, tu as refumé, et tu refumes encore, et tu aimes ça, tricheur. Tu aimes ça, fumer, hein? Tu aimes ça, tricheur. Je vous rends pas les copies, c'est pas la peine. J'ai mis zéro à tout le monde, c'est des vrais torchons. Et puis ça vous apprendra que dans la vie, rien n'est acquis d'avance. Alors maintenant, tout le monde sort ses affaires, tout le monde. Et toi, Aziz, tu éteins gentiment ta cigarette, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, gentiment, aussi? C'est le contraire de ça. D'accord? Eh ben, il y en a qui veulent pas sortir leurs affaires. Allez, maintenant, interrogation, au tableau. J'ai dit pas de casquette dans la classe. Allez, au tableau, au hasard. Kamel. Non, pas Kamel. Mouloud. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pète un coup, ça te fera du bien. Comment? Vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était pas... Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, madame Deluine, je vais voir. 30 grammes piqué collégramme. Ça manque de temps. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, madame Deluine. Bien, vous pouvez vous occuper de madame Deluine, s'il vous plaît. Monsieur. Mais pourquoi il m'a donné des préservatifs? Tu vas pas te coucher comme ça? Non. On est 10-20 minutes, là, mais je vais rester une heure. Je crois que ça va faire de l'effet, comme ça. Pendant une heure, tu peux pas fumer, sinon tu te piques, c'est ça? Non, pas dans la chambre! T'as dû en mettre une de trop sur le nerf qui rend con. Bonjour. Je faisais juste un petit pipi. J'ai pas refumé! Non, excusez-moi, vous avez du feu, s'il vous plaît? Vous avez du feu? Excusez-moi, je suis voisin d'à côté, vous... Oui, parce que là, j'ai pas le droit de... De fumer dans la chambre. J'ai pas... Non, j'ai rien touché, j'ai rien fait. Non, j'ai pas fumé, hein. C'est pas moi, hein.